Alors maintenant, on va écouter quelqu'un que tu aimes beaucoup, M. Mathieu Chédid, qui est un personnage exceptionnel. Les Chédid sont des gens exceptionnels. C'est vrai. Des gens simples, c'est calmes, vrai. Talentueux. Grands artistes. Faciles à vivre, absolument. D'une sobriété totale, qui traversent ce métier avec une grande légèreté, comme souvent les gens qui ont plus de talent que les autres, d'ailleurs. Humilité, curiosité. Absolument. Mathieu Chédid, il avait composé la bande originale du film de Guillaume Canet, qui t'avait valu une récompense, un César, Ne le dis à personne. Et le César de meilleure musique de film, meilleur film, ce film avait tout ramassé cette année-là. Il est venu il y a quelques heures, il a enregistré un petit message. Voici un extrait d'une chanson qui évoque un pays qui lui est cher, qui est le Mali. Âme, c'est tout. Il est en tournée et il s'arrête à l'Olympia du 20 mai au 5 juin. C'est pour toi. Voici M. Merci. Mathieu Chédid. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous, merci François de m'avoir invité, je voulais... Ça, j'ai l'impression d'être un peu dans mon appartement, voilà, j'ai mon petit ampli, mes sampleurs et tout ça, je vais faire un petit morceau et puis j'ai une chorale incroyable avec moi. Donc merci à vous en tout cas. Ma liberté.
Mathieu Chédid. Et il a terminé en allant embrasser le public. Voilà. Il y a des rares à faire ça. Extrait de l'album que vous connaissez, qui a un énorme succès, Mystère, Mystère. Il est à l'Olympia du 20 mai au 5 juin. Et tu vois, fils d'eux et petit-fils d'eux. Et Dieu sait que parmi le public, souvent, les fils d'eux ont mauvaise réputation parce qu'on croit que tout est mâché. Oui, oui, c'est pas vrai. Marie Trintignant, pas chez les rien Chédid, n'est mâché, pas chez les Trintignant. Ni chez les Chédid. Beaucoup, beaucoup d'artistes dont les parents sont artistes ont beaucoup de choses à se prouver et à prouver au public. Exactement, on l'a vu avec Guillaume Depardieu il y a un instant. Bien sûr. Alors cette année, le Printemps des Poètes va justement rendre hommage à sa grand-mère, André Chédid, à la famille Chédid. Mathieu participera à une soirée hommage le 16 mars aux Trois Baudets. Et le Printemps des Poètes, c'est du 8 au 21 mars, ça avait été créé par Jacques Lang, il faut le rappeler, c'est la 12e édition. Et cette année, le festival a pour thème couleur femme, plus de 15 000 événements dans toute la France.